pour ce bon retour au quotidien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci au public d'être venu si nombreux. Cette semaine, attention à la marche, ne recule devant aucun sacrifice et nous avons décidé de vous offrir une spéciale deuxième chance dans laquelle vous retrouvez des candidats fort sympas qui, hélas, nous avaient quittés prématurément en trébuchant sur une marche qui leur avait ôté l'accès à l'escalier final. Alors, ils reviennent décidés à en découdre. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir tout d'abord celui dont le prénom nous met en joie. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Jean-François. Le super Jean-François, il est heureux. Ça va? Bonjour Jean-Luc, bien vous-même. Je vais super bien. Bienvenue à vous, directement sur la deuxième marche. Maintenant, celui qu'on aimerait avoir comme poteau. Nous accueillons Mohamed, alias Super Momo. Ça va Jean-Luc? Ça va très bien. Génial. Bonne chance à vous. Maintenant, celle dont le sourire nous avait ravis, accueillons Jolie Marie. Bonjour à vous. Voyons, tout va bien? Très bien. Bonne chance à vous pour la deuxième marche. Et maintenant, enfin, celui dont tout le monde rêve d'avoir comme partenaire, voici Gilbert. Super Gilbert. Mais Gilbert, attention Gilbert. Ça va, j'ai mal. Faites une peau de banane, là. Faites attention, il n'y a pas de peau de banane. Merci à vous. Alors, nous allons bien sûr passer avec Gilbert et nos trois autres invités directement, car c'est une émission spéciale Deuxième Chance sur la deuxième marche. Alors Jean-François, vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Je suis venu avec un collègue de travail, puisque ma femme ne pouvait toujours pas venir aujourd'hui. Mais votre femme, vous en avez parlé la dernière fois? La dernière fois, elle était enceinte. Oui, et là? Et là, elle a accouché d'un magnifique petit garçon. C'est bien! Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Baptiste et je lui fais de très gros bisous. Eh bien, on embrasse bien sûr Baptiste avec bonheur. Comment ça s'est passé là? Tiens, il est là. Comment s'est passée la rencontre avec votre épouse? Mon épouse, je l'ai rencontrée dans un supermarché. Elle faisait ses courses, j'y travaillais. Et pour pouvoir lui parler, je l'ai bousculée, elle est tombée dans son caddie. C'est mignon. Et depuis, il y a Baptiste dans le petit caddie, comme c'est voilà. Mignon. Mohamed, vous êtes venu avec qui? Avec Malika. Avec Malika, qui est là. Et c'est votre fiancée? Oui, tout à fait. Bonjour Malika, enchantée. Comment ça s'est passé, vous, la rencontre? C'est simple, par l'intermédiaire d'amis, donc des amis interposés. On va dire des amis en commun qui nous ont présentés, puis on a discuté. Et le soir, c'était un soir, vous vous rappelez de la... C'était pas un soir forcément, c'était dans la journée. D'accord, ok. Ok, d'accord, moi-même. Et ça fait longtemps? Oui, ça fait quand même quelques mois, là. Ça fait quand même quelques mois? Oui. C'est-à-dire? Attendez, parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes avec Malika? Il y a le public qui me charrie. Non, mais ça fait combien de temps que vous êtes avec... Ça fait 3 ans. Ah oui, ça fait quelques mois, ouais. Malika, ça fait 3 ans? D'accord. Et vous, Marie, vous êtes venue avec qui, alors? Moi, avec mon fiancé puis ma maman. Mon fiancé, bonjour, mon fiancé. Qui s'appelle? Stéphane. Stéphane, et ça s'est passé comment, la rencontre? En fait, un arrêt de bus, j'attendais le bus, il s'est arrêté, on s'est échangé nos numéros de téléphone, on s'est revus, et puis voilà, quoi. Un arrêt de bus, comme c'est mignon, sympa. Et Gilbert, alors, vous êtes venu avec qui? Avec mon épouse. Avec votre épouse? Ouais. Et bonjour, madame, enchantée. Ça fait combien de temps? Qu'elle est mon épouse. Oui, c'est ce que je dis, Gilbert. Ça remonte au début de la deuxième partie du siècle dernier. Ah oui, ça remonte alors. On a dépassé les 47 ans déjà. 47 ans? Ah oui, mais c'est excellent. Et vous rappelez de la rencontre ou pas? La rencontre? J'avais 17 ans à l'époque. Quoi. Ouais. On était toute une bande de copains, on se réunissait et puis... Y a eu des affinités entre nous, quoi. Puis toc toc badaboum. Puis maintenant, ça y est. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous les quatre. Et si je vous parlais de rencontres, et voici donc la première question. Sur 100 hommes français, combien sommes-nous à considérer qu'il est plus difficile d'être un homme plutôt qu'une femme? C'est la toute première question. Donc, question pour nous, les hommes. Combien sommes-nous à considérer qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme, Jean-François? 60.
60. Vous pensez qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme? Elles ont tellement d'avantages que nous n'aurons jamais. C'est coquin, mais c'est coquin. Et vous-même, vous aimez votre situation d'homme? Elle existe. Elle existe. Donc, elle est là. Donc vous préférez être un homme qu'une femme? Allô? Allez savoir. Mais très bien, mon bouchon va mettre 60 alors. Hein? Voilà, 60 pour alors, moi, ce sera parfait. 60, c'est parfait, c'est superbe. Momo, vous permettez que je vous appelle Momo? Il n'y a pas de problème. Momo, vous avez répondu combien? 20. 20? Oui. Et vous êtes heureux d'être un homme? Tout à fait. D'accord. Comblé en plus. Et comblé en plus? Ah oui. Ravi. Vous auriez aimé être une femme? Non. Je n'ai rien contre les femmes, mais je suis fier de ce que je suis. Et moi non plus, j'en ai rien contre les femmes, mais bien sûr. Marie, vous nous avez dit... 38. 38, vous préfériez être un homme ou une femme, vous? Je suis bien en femme, autant y rester, je sais pas. D'accord, donc on va garder ce statut-là. Moi, oui. OK, Gilbert? Moi, bon, je suis bien comme je suis. Vous avez répondu combien, Gilbert? 55. 55. Et la réponse est... 49, et donc, eh bien, c'est Gilbert le plus proche. Excellent, monsieur Gilbert. Momo, malheureusement, est le plus éloigné, va perdre un petit poteau. Un petit copain qui s'en va, Mohamed, mais rien de grave, il vous en reste. La prochaine question est en musique. Vous êtes déjà allé dans des cabarets? Non. Moulin Rouge? Non, Moulin Rouge, non. Eh bien, la prochaine question nous dit combien de places assises y a-t-il dans la salle du Moulin Rouge? La prochaine question... Mohamed, vous êtes danseur? Non. Non, vous n'avez pas du tout en boîte, du tout? Dans le temps, mais plus maintenant. Dans le temps, mais plus maintenant. Vous avez mis combien de places assises? 1500 places. 1500 places. Marie, vous avez répondu? 350, je crois. 350 places. Gilbert? 150. Combien? 150. À 150... Au Moulin Rouge, 150. Bah, oui. C'est qu'il y a beaucoup de monde sur la scène, mais... Mais là, il y a plus de monde sur la scène que dans le public, hein? Question pour Jean-François. 400. 400. Et la réponse est 850. Eh bien, c'est Jean-François le plus proche, si mon calcul est bon. Et malheureusement, c'est Gilbert qui se voit perdre un petit copain. Le zizi de Gilbert est parti. Ah bah, tant pis pour lui. Hein. Mais il en reste un. Il vous reste un... Et puis alors, en forme. Ouais. Pardon, excusez-moi. J'espère qu'il va durer. Mais il faut demander à votre femme, ça se passe bien, madame. Vous regardez la météo, Marie? Bah oui, de temps en temps. De qui votre présentateur préféré de la météo? Je sais pas, je regarde M6, donc... Ben alors voilà, ben comme ça on est bien. Et ben nous, par exemple, rapide, nous on a Catherine Laborde, on a Evelyne Delia, on a Sébastien Follin. Mais bon, ça fait partie de ça. Gilbert, vous regardez la météo? Ça m'arrive, oui. D'accord, vous préférez qui? Je sais pas, Evelyne Delia, j'aime bien. Ben, bien. Et vous, Jean-François? Oui, moi je regarde la météo. Pour le travail, c'est plutôt nécessaire. Quel genre de travail effectuez-vous? Je suis agent à la SNCF, sur les quais le soir. Ah oui, pour atterrir, pour décoller. Pour s'assurer que les personnes qui voyagent en Île-de-France voyagent dans de très bonnes conditions. Voilà. C'est très, très bien. Et alors, vous avez un présentateur préféré? Ce sera Evelyne Delia quand même. Ah, Evelyne! Mais Evelyne, on la changera pas, Evelyne. Et vous, Momo? Oui, je regarde, c'est suivant. J'aime bien regarder la météo. Ouais. Pour savoir comment on peut s'habiller le lendemain. Voilà, bien sûr, Bobo. Mais je n'ai pas de présentateur préféré. Non. Ils sont tous sympas. Ouais. Bon, pardon. Alors, la question nous dit, justement,
Combien de kilomètres de diamètre peut atteindre un cyclone sur Mars? Nous allons vers d'autres aventures, d'autres... Marie, vous avez l'air de faire un peu la moue? Ah ouais, j'en ai... Vous avez répondu combien? 360. 360 km de diamètre. Gilbert? 85. 85 km de diamètre. Jean-François? 150. 150 et Mohamed? 150 également. 150 également. Une petite intervention juste avant la réponse. Oui, Jean-Luc, le télescope spatial Hubble vient de l'observer puisque ce cyclone sur Mars est actuel et les nuages soulevés sont composés de cristaux de glace. Alors, il atteint, je peux vous le dire, oui. 1600 km de diamètre. Alors 1600 km de diamètre. Bravo à Marie qui est la plus proche de la réponse. Désolé, malheureusement, pour Gilbert. Gilbert, un zizi moins un zizi, vous repartez sans rien. Mais vous repartez tout de même avec un beau cadeau pour Merci. Vous, Gilbert. Le voici. Lorsque vous êtes sous la douche ou au lit, l'ami qui décroche à toute heure s'appelle l'ami téléphone répondeur. Alors, merci d'avoir participé à cette deuxième chance et à très bientôt. Pour la troisième. Pour la troisième. Salut, au revoir, Gilbert. Ciao. Il y a une question co. Marie est réjouie parce que c'est la question in. Marie, il y a marqué question quoi, là? Coquine. Eh oui! C'est l'instant. Alors que ça s'excite un peu dans le public, nous allons tenter de récupérer nos esprits. Sur 100 françaises, combien êtes-vous, mesdames, à préférer faire l'amour avec la lumière? Alors, c'est la question. Avec la lumière, Jean-François, vous-même, la lumière? Ah, ça a des avantages. Exemple? Non, je crois que j'ai bien rangé mon agenda, donc ça devrait aller. D'accord. Alors, vous-même, plutôt lumière ou plutôt... Ah, j'aime bien avec la lumière. Vous aimez bien avec la lumière? Ah, oui, oui, oui. Bien. Et vous avez répondu combien? 45. 45 avec la lumière. Et votre épouse, elle préfère avec la lumière? Faudrait lui demander. Mais elle n'est pas là. Avec moi, oui. Bah, c'est mieux. Momo, vous êtes dans la lumière ou plutôt dans la pénombre? Dans la lumière, c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile, Momo? Non, mais disons que je suis un peu pudique, je sais pas. D'accord. Et Malika aussi dans la lumière, pareil, Malika? Ah, oh, d'accord. C'est égal. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors? J'ai mis 55. Vous avez mis 55 dans la lumière. Marie, vous êtes plutôt sol ou sombra? Ben, pénombre, enfin... Tamisé, quoi, la lumière. Plutôt... Alors que votre ami là-bas... Ça, plutôt... C'est Stéphane, hein, c'est ça? Oui. Plutôt lumière pour vous? Pénombre. Ben voilà, tout va bien. Ils s'entendent bien, ils sont ensemble alors. Marie? Moi, j'ai mis 35. 35. Et alors? Il y a un toupil, le premier toupil de la matinée. Car effectivement, vous préférez faire l'amour, mais plutôt après la pub. Il paraît. Si, si, il paraît. C'est tous les jours. Hein. De retour sur le plateau d'Attention à la marche avec la fameuse question que j'ai posée à votre ami. Ça fait 3 ans que vous êtes avec Momo. D'accord. Donc la question était sur 100 françaises, combien êtes-vous à préférer faire l'amour avec la lumière? D'accord. Momo a répondu 55, ça vous semble bien? Oui. Oui, vous auriez répondu combien, vous? 55. 55, pareil.
Finalement, au moment où vous entendez super bien avec elle. Hein. Vous faites de la télépathie. Et alors, vous êtes le copain de... Vous êtes le copain de Jean-François. Oui. D'accord. Et votre fils s'appelle comment? Baptiste, c'est ça, non? Baptiste. Baptiste, tranquille comme Baptiste. Baptiste, il est heureux comme un roi. Ben oui, je me doute. Et alors, vous auriez mis combien, vous? Comme lui, 45. Comme lui. Je me pose des questions, quand même. Alors, avant la réponse, je vais demander à l'ami Bariton. Bariton, pour les hommes, c'est combien? Pas pour les femmes, mais pour les hommes. C'est 76%. Ah, 76, ben oui, oui. Vous aimez bien la lumière? Je préfère 100. Ah, vous préférez 100? C'est vrai que je toi un peu en noir en ce moment, mais je me doute. Et alors, la réponse pour les filles, c'est 45, et le tout-pile est de Jean-François, heureux. Bravo Jean-François, vous êtes dans le tout-pile. Donc, eh bien, on va aller vous faire choisir. Merci, à tout à l'heure, merci. On y va. On va vous faire choisir le tout-pile. Et vous allez jouer, bien sûr, pour quelqu'un, outre pour vous, avec la complicité de TéléZ, un téléspectateur du nom de... Yvette Versavelle, à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Yvette de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Dans une des deux enveloppes, Jean-François, il y a un super vélo tout chemin. Et dans l'autre, il y a une bombe pour les petits coins. Plutôt jaune ou plutôt orange? Orange. Orange. Et dans la orange, Jean-François, il y a... Regardez, Jean-François, regardez. Il y a un vélo tout chemin. Oh! Si vous passez de bon matin, si vous passez sur les chemins, voici un beau vélo. Oh, qu'il est tout peint. Un vrai vélo tout chemin. Je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs que si vous voulez vous aussi participer au tout-pile, vous n'oubliez pas de renvoyer le petit bulletin à cette adresse qui s'inscrit ici, que vous retrouverez dans TéléZ, ou bien sûr sur papier lit, breu. À toutes, voilà, ça y est, on a parlé aux téléspectateurs, nous faisons maintenant les comptes. Égalité donc, un pote perdu par Marie puisque 35, un pote perdu par Momo puisque 55. Momo, il ne vous en restait plus qu'un, et malheureusement, c'est vous qui allez nous quitter, Momo. Désolé, Momo, mais vous allez repartir quand même avec un joli cadeau. En tout cas, je vous remercie de m'avoir réinvité, c'est sympa. Non, mais ça nous a fait plaisir. Impeccable. Impeccable. Je reviendrai si l'occasion se représente. Avec un grand bonheur, nous vous réinviterons. Ben, il n'y a pas de plaisir. Voici un cadeau, et c'est le même cadeau, c'est l'ami téléphone répondeur. Qui sonnera, bien sûr, en tout lieu et en toute heure. Merci, Momo. Ciao. Et bienvenue à l'ami Jean-François, ici. Et à la seule femme qui était parmi nous aujourd'hui, Marie, sur la troisième marche. Sur cette troisième marche. Jean-François, vous avez fait un sans faute jusqu'à maintenant. Vous aviez deux potes. Marie, il ne vous en restait qu'un. Et donc, c'est vous qui allez commencer à répondre, si vous le voulez bien. La première question, on va nous parler de l'Angleterre. Vous connaissez l'Angleterre, Jean-François? Un petit peu, oui, oui, grâce à l'Eurostar. Ah oui, d'accord. Oui. Ben oui, vous êtes passé par le tunnel. Oui. Est-ce que vous parlez anglais? Oui. Très bien. Donc, vous parlez bien anglais. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Attention à la marche. Bon appétit si vous passez à table. Nous sommes heureux car nous allons parler de la prolifération des gastéropodes de l'an 2000. Et allez-y, pour voir si vous parlez bien anglais. Dear friends, I'm very happy to be with you to Attention à la marche today on TF1. And I wish you have a very good day. Bien. Alors, attention à la marche, en anglais, ça s'appelle... Alors, attention à la marche, comment ça se dit en anglais? Ça s'appelle... Watch your step. Welcome to Watch Your Step. Alors, la question, en parlant d'Angleterre, justement, et de travaux de l'Eurostar et du tunnel sous la Manche, nous dit combien de mois ont duré les travaux du tunnel sous la Manche? Marie, c'est donc vous qui répondez. De par votre cumul de potes, il ne vous en restait qu'un. Donc, c'est à vous, Marie. 10 mois. 10. 10 mois. 10 mois. Mais tutoyons-nous, si vous le voulez. 10 mois, Jean-François. Plus. Plus.
Vous en êtes plus sûr? Oui. Mariton, une petite info. Une petite info, les travaux ont débuté le 1er décembre 87 et l'inauguration a eu lieu le 6 mai 1994 par François Mitterrand et la reine Elisabeth II. Très bien, et donc la réponse est 78. 78, c'est bien plus, bravo à Jean-François. Et je vais convertir cela en années, cela fait 6 ans et demi. Et une autre petite précision, c'est qu'il y a eu une tentative en 1880, mais les travaux ont été arrêtés au bout de 2 ans. On n'avait pas la technique suffisante à l'époque. Et maintenant, nous l'avons, touchons du bois pour les tunnels. Marie, donc, il va falloir rééquilibrer un petit peu. Vous vivez avec votre compagnon? Oui. D'accord. Vous, les tâches ménagères, vous vous en occupez? Bah oui. Bah oui. Et lui, par exemple, que fait-il, Stéphane, à la maison? La cuisine. Ah, tout de même, sympa. Quel genre de cuisine fait-il? Bah, de temps en temps, des petits plats, sinon c'est de la conserve, quoi. Mais de temps en temps, des petits plats. Ah, il faut bien la conserve, hein. Attendez, je vais aller le voir, excusez-moi, parce que j'aime bien venir vous voir. C'est quoi, par exemple, si vous aviez un conseil à donner à nos téléspectatrices aujourd'hui, vous leur conseillerez quoi? Un micro-ondes, c'est plus simple. Acheter un micro-ondes, c'est plus simple. Merci infiniment, c'est sympathique. C'est toujours sympa. Alors, vous, les tâches ménagères, ça va, Jean-François? Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau comme tâche ménagère? La vaisselle. Vous avez un lave-vaisselle? Non, non. Bien, et bien, la question nous dit, sur 100 Français, combien trient leurs déchets ménagers? Vous savez, il y a plusieurs poubelles maintenant, le verre, le papier et autres. Jean-François, vous nous dites combien? Je dirais 35. 35 trient leurs déchets pour récupérer, bien sûr. Marie? Moins, on va dire. Vous diriez moins de 35. Ils sont combien à trier? Ils sont 50%, c'est Jean-François qui se voit récompensé également de l'ascension de son pote. Petite info du baryton. Oui, en 1992, il n'y en avait que 1 sur 300. On a fait énormément de progrès en 9 ans. Il faut continuer à en faire, bien sûr, absolument. Bravo à vous Jean-François. Attention, parce que ça risque peut-être d'être fatal pour Marie. Est-ce que vous avez des animaux, Marie? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Hamster. Oh, et comment s'appelle-t-il? Arthur. Ah, Arthur. Et c'est bien, parce qu'il est sur la même chaîne que nous, en plus. Ouais. Et vous, Jean-François? Non, j'ai pas d'animaux à la maison. Il y a 2 chiens qui occupent suffisamment mon existence. Il y a un golden qui s'appelle Orly. Et il y a un autre chien qui s'appelle Rocky. Vous auriez dû l'appeler Roissy, mais vous n'avez pas d'animaux. Mais... Non, pas d'animaux personnellement. Mais c'est qui vos chiens? Ah, ce sont les chiens qui entourent mon appartement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis très surveillé. Vous êtes surveillé par deux golden deux, et par un Rocky. Par un golden et un pitbull. D'accord, voilà. C'est vos voisins? Voilà. Ah, c'est sympa pour sortir de chez soi. Tiens, il y a le pitbull du voisin qui est là. Je vais pas aller trier les ordures ce soir. Si, je peux, sans problème. Il est adorable. Eh bien, on va parler d'animaux et qui plus est, on va parler de Diplodocus. En moyenne, quelle longueur en mètres mesurait le Diplodocus? Marie, le Diplodocus, en parlant de monstre gentil. 20 mètres. 20 mètres de Diplodocus. Plus. Jean-François? Plus. Plus. Avant la réponse, une petite information. Eh bien, son nom signifie double poutre. Diplodocus, double poutre, étant donné sa longueur. Voilà. Bien. Et il faisait 3,60 m de haut et pouvait peser jusqu'à 20 tonnes. Jusqu'à 20 tonnes. Double poutre. Double poutre. C'est bien. Tiens, on t'appelle double poutre. Jean-François, la réponse est... 27, c'est plus! Bravo Jean-François! Qui va être sur l'escalier final devant les yeux de votre collègue de travail, Christophe.
Désolé Marie, ainsi va le jeu, ainsi va la vie. C'était charmant d'être revenue nous voir. Je suis bien contente, hein. Merci. On s'est régalé vraiment. Vraiment. Et pour être revenu aujourd'hui, voici pour vous un présent. Eh bien, si vous aimez courir dans la brousse sans personne à vos trousses, préparez-vous les mollets et votre tranquillité. Voici le super mouse de tapis de course. C'est sympa. Vous gentil. Merci et puis bonne continuation pour vous. Merci. Et Jean-François, sous l'œil de votre camarade, c'est un collègue de travail. Oui, oui, oui. Oui, oui. On travaille tous les deux, on sévit tous les deux dans la même gare. Dans la même gare, c'est la gare de... C'est la gare de Conflans-Findoise. Eh bien, écoutez, ils sont venus tous les deux, deux collègues de travail. Jean-François, super sympa, sur la dernière marche. Bravo à vous, Jean-François, pour en être arrivé jusqu'ici. Tout de suite, un an d'abonnement tout de même à TéléZ, qui propose le programme des 90 chaînes du câble et du satellite. Quelque chose à rajouter sur ce premier cadeau? Ah non. Enfin, c'est le deuxième parce que vous avez déjà gagné un super vélo, hein? Le vélo tout-chemin. Alors tout de suite, bien sûr, 2500 francs pour vous. Qu'on va pouvoir faire fructifier sur l'escalier. Je vous rappelle juste que chaque marche correspond à une question. Donc à chaque fois qu'on monte sur une marche, il y a une question. D'accord? Pas de souci. Je vais vous faire juste écouter... un petit bruit, parce que la première question pour l'ascension de l'escalier, pour peut-être gagner 100 000 francs comme chaque jour, va parler... Et alors, si vous reconnaissez le bruit, là... Écoutez. C'est quoi? Un train à vapeur? Écoutez, attention, allez-y, allez-y. Et la finalité, c'est... Ah, des quilles. Eh oui, bowling. Bowling. Eh ben écoutez, on monte sur la première marche, c'est une question bowling justement. Alors, elle est pour 5000 francs. Vous avez le temps de jouer au bowling, non? Oui, parfois, sur Bayonne. Sur Bayonne? Sur Bayonne, oui. Qu'est-ce que vous allez faire sur Bayonne? Je prends le train, je descends à Bayonne. Eh oui. Voilà. Et votre boulot, c'est quoi précisément? Je vends des billets de train. Des billets de train? Voilà, que ce soit de l'Île-de-France, de la Grande Ligne, de l'International. Et vous êtes sur les quais et vous vendez des billets? Je suis sur les quais, parfois, le soir, je rôde. Sur les quais? Et vous avez toujours la petite machine avec vous et tout et tout? Quelle avec... machine? Mais il y a une machine pour vendre les billets pour les poinçonner, non? Ah non, 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 un petit peu plus moderne quand même. D'accord. Le poinçonneur des lilas, il est un petit peu passé quand même. D'accord, je suis de la vieille école, moi, vous savez. Je vous donnerai des cours. Première question sur le bowling, le score parfait au bowling, je dis bien parfait, est de combien? 250 ou 300? Alors, silence bien sûr dans le public pour laisser se concentrer. 300. Vous diriez 300? Ça m'est jamais arrivé, donc... Ça ne vous est jamais arrivé. Christophe, le collègue, il dirait 300 ou... Ouais. Christophe? Ouf, il sait pas trop, Christophe, hein. Collègue, il sait pas trop. Une info? Oui, une info. Ce score équivaut à 10 strikes, c'est-à-dire toutes les quilles tombées du premier coup. Et c'est? 300. Oui! 10 strikes, 300 pour vous, strike, 5000 francs. Prochaine marche, prochaine question. Français passe combien de temps à faire sa toilette par jour? Soit 20... Ça vous fait rire, ça? Oui, beaucoup. Je pense à ma femme. Et elle est longue... Non, pas du tout. C'est moi qui le suis. Ah, c'est vous qui... Alors, par jour, je dis bien, donc à faire sa toilette, donc dans la salle de bain, tout cela. 28 minutes ou 48 minutes, je dis bien par jour, par journée complète. Alors... Vous prenez le temps, vous pensez à votre femme, vous pensez à vous, c'est... Oui, non, non, moi, je pense pas du tout à moi. Pourquoi vous restez combien de temps, vous, à peu près? Oh, 48 minutes, c'est pas suffisant. 48 minutes, pour vous, c'est pas suffisant? Non. Mais qu'est-ce que vous faites dans la salle de bain? On peut faire beaucoup de choses dans une salle de bain. Oui, non, mais je me doute, mais quand même...
Plus de 48 minutes, vous, facilement. Oui. Et facilement. Votre épouse Elle serait plutôt 28 minutes. Donc, je vais répondre 28. Vous allez prendre 28 minutes. Oui, oui. Alors, à faire sa toilette par jour, entre le matin, le soir, cela correspond à une durée de 48 minutes. 48 minutes, donc vous êtes plus proche de la vérité que votre épouse, finalement. Oui, oui. Toujours 5000 francs pour vous. Prochaine marche, prochaine question. Allez-y pour voir, venez là. Ah, pas mal, regardez l'époque qui joue. Pas mal. Excellent, regarde, regarde, regarde. Allez-y, allez-y, moi. Ça va, l'époque? Encore, justement, c'est une question sur la tête. Question sur le twist. En quelle année est-il apparu en France? 1957 ou 1961. Attention, s'il vous plaît, respectez bien. 1957 ou 1961. Exactement, c'est la question que je vous pose. Dans tous les cas, j'étais beaucoup trop jeune. Et ma chère maman aussi, donc... Votre maman était plus jeune que 1961? Oui. Elle vous a eu très très tôt, alors. Hein. Oui, voilà. Non, non, tu n'auras pas son âge, quand même. Non, bah, non, bien sûr. On va avoir pitié. La pauvre, elle est déjà grand-mère. Bien. Donc, je vais quand même répondre 1961. Mais 1961. Et le public avait dit 1957, hein, le public. Hein. Ah, vous avez dit 1957, hein. Je vous ai entendu. Eh bien, c'est 1961, bravo. Oui. 10 000 francs pour vous. Et là, ça commence à monter parce que oui. C'est la spéciale seconde chance. Et nous allons jouer pour vous pour cette deuxième chance aujourd'hui pour 50 000 francs. Nous montons sur la marche. Dernière marche, dernière question. J'active la porte. Pour 50 000 francs. Là, vous avez entendu la petite musique gallo-romaine. Combien de lettres sont utilisées pour écrire les chiffres romains? Pour 50 000 francs, il y a 5 lettres. Pour 50 000 francs, il y a 6 lettres. Pour 50 000 francs, il y a 7 lettres. Pour 50 000 francs, il y a 8 lettres. On peut peut-être... Allez-y, dites-moi. Allez-y, à voix haute. Le I, le V, le X, le C, le M. Je dirais 5 lettres. Vous diriez 5 lettres dans un premier temps. Donc, on valide ce choix de 5 lettres, d'accord? C'est dans un premier temps. On demande aux spectateurs qui sont présents sur notre plateau de prendre la télécommande pour vous aider. Vous voyez, au niveau du pourcentage, on va savoir s'ils sont d'accord avec vous. Vous disiez donc le I. Le V. Le V. Le X. Le X. Le C. Le C. Le M. Le M. Il en manque une. Il vous en manque? Oui. Nous l'ont bien sûr demandé à l'ami baryton, le public, que nous dit-il? Eh bien, il n'est pas d'accord, à 66%. À 66%, il n'est pas d'accord. La question qui se pose maintenant, bien sûr, vous l'avez compris, Jean-François, c'est est-ce que vous changez d'avis? Oui, je vais changer d'avis. Je fais confiance au public. Vous faites confiance. Alors, 5, 6, 7 ou 8 pour 50 000 francs,
Votre cœur... Cœur vacille. Penche vers quoi? 6. Vers 6. On valide définitivement 6 pour 50 000 francs. Voilà. D'accord. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier pour le suspense? Est-ce que le 5, voulez-vous que nous le dévoilions, puisque vous l'aviez choisi ou pas? Oui. D'entrée? D'entrée, le 5. Le 5. Y a-t-il 50 000 francs? Merci, public. On prend l'autre extrême? Non, on va prendre le 7. On va prendre le 7. Ah, qu'est-ce qu'il y a, le public? Attendez, attendez. Alors, attendez, parce qu'on va le savoir, grâce à l'ami baryton, il y avait le... Le I. Oui. Le V, comme Georges V. Bien sûr. Le X. Oui. Le L pour 50. Oui. Le C pour 100. Le L, oui. Le D pour 500. Et le M pour 1000, ce qui nous fait 7. Et oui, il nous manquait le L et le D. Mais je voudrais qu'on applaudisse fort, fort, fort Jean-François, qui avait venu avec son ami de travail. Il a gagné quand même 10 000 francs, plus un super vélo tout chemin. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci à vous. On se retrouve tous les jours sur TF1. Ils sont debout tous pour vous. Regardez comme c'est plutôt sympathique. Merci à vous tous d'avoir partagé ce bon moment, comme chaque midi. Bon appétit à vous et à demain. Au revoir. Amis téléspectateurs, maintenant c'est à vous de jouer en répondant à cette question. Combien de mois ont duré les travaux du tunnel sous la Manche? Je vous rappelle qu'il y a 2 fois 50 000 francs à gagner. Alors tous à vos Minitel, à vos téléphones, à vos nets. Bonne chance, au revoir, à demain.